Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. À la médiathèque de Gron, ce samedi 5 novembre, nous sommes partis à la rencontre de l'auteur du livre « La jeunesse de Garlag » afin d'en apprendre plus sur lui et son œuvre. Bonjour, donc moi mon vrai nom c'est Olivier Van Valleghem. Je suis professeur de mathématiques au lycée de Sens. Donc dans mes loisirs, dans mes passions, je suis auteur à côté et donc j'ai mon premier livre, La jeunesse de Garlag, donc sous le pseudonyme Wally Matoff. Ce pseudonyme tient son origine de différentes références propres à l'auteur, avec Wally pour le surnom que lui donnait son entraîneur de basket, Matt pour son désir d'en devenir professeur, le tout conclu par ses initiales OV. L'écriture, je le fais pour un loisir, pour m'amuser. J'ai longtemps écrit depuis que je suis en seconde, première à peu près. J'écrivais des poèmes qui souvent permettaient d'évacuer des émotions négatives quand il y avait parfois des coups durs dans la vie. Un jour, j'ai rencontré ma femme, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin d'évacuer d'émotions négatives, j'ai encore besoin d'écrire. J'ai un ami qui m'a dit bah, si un jour tu écris un livre, pourquoi pas faire un livre dans un univers de fantasy avec des orques, des elfes, des nains. Et je lui ai dit tiens, je vais essayer de faire ça, une petite nouvelle, voir si l'histoire me plaît. Puis en fait, l'histoire est devenue livre parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Puis le livre, en fait, devient saga, parce qu'en réalité, il y a 4 tomes qui vont être prévus au total pour cette histoire. C'est en tout une histoire de tolérance, d'acceptation de soi, dans un univers de fantasy. C'est une histoire d'un orque adolescent. Ce qui m'intéressait, c'était de partir du point de vue des orques qui sont présentés comme des créatures maléfiques, souvent de manière assez sombre et caricaturale, alors que cet orque-là est un petit peu différent des autres. Et de par ces différences, il est rejeté et harcelé par les siens. Il est maltraité par son instructeur orque, il n'a plus que son père comme soutien, il n'a plus sa mère. Et c'est en affrontant ces problèmes qu'il va découvrir qui il est réellement. Ça va l'entraîner dans une quête à travers le monde dans lequel il vit, qui est la terre des Féas. Et à partir de là, il va rencontrer d'autres créatures fantastiques, des nains, des elfes, etc. Il va apprendre à s'accepter au fur et à mesure de ses aventures. J'ai pris énormément de plaisir à écrire ce premier tome, je me suis amusé et là je suis en train d'écrire la suite, je suis bien avancé dans le deuxième tome. J'espère continuer à m'amuser autant dans l'écriture des prochains tomes.